Provence sur le Vieux-Port et nous sommes avec Laurence Chancibault, l'une des organisatrices du très célèbre Mars Attack. Alors on est à quelques mètres de la scène dédiée pour le Festival des Festivals. Laurence, elle était importante cette scène ce soir? Oui, elle est importante pour montrer le Festival Mars Attack hors de ses murs, qui sont depuis 2 ans la friche La Belle de Mai, et pouvoir le montrer à un plus grand nombre et à l'ensemble des Marseillais, puisque le quai du port est un lieu de rassemblement voilà, à la fois populaire, qui mixe beaucoup de populations. Donc pour nous, c'était important d'être là. Alors le Festival Mars Attack, c'est pour bientôt? C'est fin septembre, c'est le tout dernier week-end de septembre, qui est cette année à cheval sur septembre et octobre. Et oui, c'est dans quelques mois, mais on est déjà très très... très occupé et très concentré sur l'organisation du festival. Alors des grands artistes? Des artistes internationaux comme chaque année. Il y aura cette année dans la veine électro Death in Vegas, qui est un duo électro-anglais qui est très attendu cette année. Dans une veine plus hip-hop, on a le rappeur américain Xzibit, qui est connu pour son émission qui s'appelait Pump My Ride sur MTV. Dans la veine rock, il y aura Black Lips, un groupe américain, et également des DJ Brodinski, Yuxek, voilà, plein de pointures internationales et des fleurons de la scène, nouvelle scène électro française, voilà, qu'on attend avec impatience, et surtout beaucoup beaucoup de découvertes, puisque c'est un peu le festival met sur le devant de la scène beaucoup de groupes qui font souvent l'actualité musicale de demain. Alors l'actualité musicale de demain, mais c'est aussi un festival qui est très jeune, le Festival Mars Attack. Pas jeune, qui s'adresse aux jeunes. S'adresse aux jeunes, parce que nous on a 13 ans, donc voilà, on est moins jeune que ça finalement. Mais qui s'adresse à un public, oui, hein, le cœur de la cible c'est 18-25 ans, donc c'est vraiment les jeunes, essentiellement beaucoup étudiants, mais pas que, donc beaucoup de jeunes sur le festival. Alors là, qu'est-ce qui se passe exactement? Donc là, c'est un groupe qui s'appelle Tambour Battant, c'est des Marseillais, et voilà, c'est ce style de musique, un électro-hip-hop, mais là, très électro, puisqu'on l'entend, ça tape pas mal, mais je crois que le public apprécie bien. C'est un trio. Bah, il y a l'air d'avoir du monde, en tout cas.